quand ta vie ne semble faite que de moments galères. Linky, c'est une association qui fait de l'aide alimentaire durable. C'est-à-dire une aide alimentaire où on choisit les produits, donc c'est plutôt des produits bio, c'est plutôt des colis assez importants, équilibrés, et puis c'est pas mal de récupération, donc c'est des choses qu'on a récupérées chez des restaurateurs, des grossistes, des exploitants agricoles, plein de gens qui ont de la nourriture en bon état, qui ne devraient pas finir à la poubelle, nous on la récupère, et on fait des colis assez importants, des colis alimentaires qui sont distribués gratuitement évidemment aux étudiants, par des étudiants. Je suis content d'être là parce que je sens que, et je sais qu'on fait quelque chose de bien. Je ne sais pas le décrire, mais je sens quand même que il y a une... J'aurais préféré que ça n'existe pas. Cette réalité-là de la précarité. Mais en même temps, écoute, allons nous amuser, essayons de les divertir le plus possible, et puis de kiffer. Puis j'espère que la bouffe est bonne. Est-ce que vous voulez un peu d'amour dans vos vies? Est-ce que vous voulez que je ferme ma gueule? J'ai rencontré une femme il y a quelque temps et j'aimerais lui dédier cette chanson. On s'était rencontrés à l'after work, sauf que moi je travaillais pas. J'ai mis du GHB dans ton verre. C'est tout, merci beaucoup. Les restaurants fermés, les bars fermés, la précarité étudiante, c'est l'apocalypse. Mais franchement, c'est pas l'apocalypse la plus claquée de toute l'histoire de l'humanité. Elle est pas nulle, cette apocalypse? C'est nul, sérieux. Je veux dire, les dinosaures, ils ont eu des météorites, ils ont eu des vrais machins, tu vois, des cratères, ils ont laissé des vrais trucs, tu vois. Nous, on est là, on a des masques tout pétés. Nul, je dis pas qu'il n'y a pas de mort, hein. Je dis pas que je suis pas en train de minimiser la réalité sanitaire du truc, mais l'apocalypse la plus nulle de toute l'histoire de l'humanité. Elle est nulle, cette apocalypse. Je pense que les générations futures, ils vont nous regarder, ils vont dire, mais vous êtes vraiment nuls. Vous vous souvenez du premier confinement? Parce que là, paraît-il qu'on est en confinement, là. Skip, t'as vu comment il est pas respecté du tout le confinement? Il est moins respecté qu'un prof de techno le confinement là. Zéro respect le confinement. Le confinement, il est mort dans le film. Et vous vous souvenez du premier confinement, comment on était en panique? Vous vous rappelez du premier confinement? Même si ça semble comme si c'était il y a très longtemps, mais c'était il y a pas si longtemps. Vous vous rappelez de ce confinement quand il est tombé le premier? On était complètement fous. On se fabriquait nous-mêmes nos masques, vous vous rappelez? Vous vous souvenez ou quoi? On fabriquait nos propres masques avec des vieilles chaussettes, des vieux slips, on était là, ouais, bah... Ouais. Surréaliste. Vous vous souvenez des autorisations de sortie qu'on se signait de nous-mêmes pour nous-mêmes? On s'autorisait nous-mêmes à nous-mêmes de « je m'autorise moi-même à sortir », tu te rappelles? Abusé. Surréaliste, l'apocalypse la plus nulle. À moitié rêveur, à moitié loser, sans thune, sans taf, sans futur, mais toujours la tête dans les nuages. Pour votre bon plaisir. Quand ta vie ne semble...